De retour pour le troisième match de la soirée et pas des moindres, une rivalité qui s'est formée en 2015 sur League of Legends, Fnatic contre Origen Tech, grosse affiche aujourd'hui. Ouais, c'est un petit peu le classico péqué, comme j'aime à l'appeler, avec deux équipes qui ont représenté énormément dans la vie de ce joueur. Maintenant aller s'affronter deux équipes qui visent, je pense, quand même le haut du classement pour cette saison européen. Ça va aller rentrer directement dans un gros clash. Pour le moment, c'est assez compliqué, je trouve, de situer Origen, en tout cas, juste au regard des derniers matchs qu'ils ont fait, puisqu'ils ont affronté des G2 qui sont tellement en forme que c'est difficile de les battre. Et ils ont ensuite été battre voilà, des Vitality, peut-être un peu plus facile à aller chercher en habilité, pas forcément en forme. Donc, difficile de savoir si Origen sont vraiment au niveau de Fnatic actuellement. Par contre, du côté de Fnatic, on est en forme, on a battu les bonnes équipes. Et je pense que l'équipe est très très bien huilée en ce moment. En ce moment, ça a l'air pas mal Fnatic, mais Origen, au vu de leur prestation contre G2, on croit quand même déceler une des grosses powerhouses de ce LEC sur le Summer Split. Alors on va voir, Draven a été ban du côté des Fnatic. Sona, c'est Yuani, donc pas de Irelia, pas de Rest, pas de Yumi. First pick Sylas donc pour les Fnatic. On parlait un petit peu des statistiques de Fnatic, notamment sur la différence entre le win rate. Ils ont selon leur early game. Et en fait il y a énormément de choses qui se jouent dans les 10 premières minutes de jeu. En gros, si on résume grosso modo, hein, mais c'est ce que les stats racontent, c'est que si Reckless est devant au bout de 10 minutes de jeu, les Fnatic gagnent. Mm-hmm. C'est pas le cas, les Fnatic perdent. On a de plus en plus en fait de draft ou de situations de jeu où on essaie de mettre Reckless en avant, c'est pour ça qu'on voit des bans. La Sona ou Draven par exemple, simplement pour protéger un petit peu Reckless et sa phase de farm, et avec un Banksa évidemment qui assez naturellement va mettre ses billes du côté de la bot lane. Et Fnatic qui est aussi une équipe qui brille en teamfight en général, oui. Et des picks comme Sona peuvent être très dérangeants à ce niveau. Alors l'Axaya qui est lock pour les Origen, qui pourrait préfigurer un pick de Rakan pour Mitty. On voit de moins en moins des réponses de pick de Rakan contre la Xayah, juste pour bloquer un petit peu le combo. On a presque même maintenant presque envie de leur laisser le combo faire autre chose. Reckless qui va aller récupérer sa civière de cœur. Qu'est-ce qu'ils décident de faire là, les Fnatic? On a un support à Locke avec cette civière. Ou est-ce qu'on attend de... Bon après, ça devrait pick Rakan hein, dans tous les cas du côté d'Origen. On peut aller chercher le Tabkench peut-être pour se prémunir un petit peu des engages. Morgana aussi. Oh, il pique le Rakan finalement, les Fnatic. Ah, ok. Du coup, on bloquera justement ce fameux combo. Oui, mais il y a moyen d'aller chercher beaucoup de très bons supports. Nautilus est en vogue, mais Lux également qui est très apprécié. Elle est énormément jouée en Corée, la Lux. C'est une très très bonne réponse à Rakan. Une fois que la Lux est capable de mettre des bonnes cages, Rakan a quand même des déplacements relativement linéaires quand il veut engage. C'est assez facile de mettre une cage et du coup de bloquer complètement toute la force de kit du champion. Et en plus de ça, ça aide à push une Lux avec les dégâts en AOE qu'elle peut proposer. Ça ne sera pas forcément un atout mineur contre une Sphere notamment. Et le shield. Hein. Le shield bien sûr, si jamais permet de temporiser. Ce max d'ailleurs sur Lux, à une époque on avait beaucoup de max eux-mêmes en support juste pour appuyer du poke. Maintenant de plus en plus c'est du max shield, juste histoire de maintenir au maximum son AD carry en vie. Et Nicoban du côté des Origen. Elise. Personne n'a de jungler encore a priori. Atrox pourrait. Mais on l'attendrait plutôt ailleurs pour l'instant. Pas de Elise, pas de Sage. Jarvan est disponible et Jarvan serait de très bon ton du côté d'Origen étant donné qu'il y a une Sivir. Oui. Et que Sivir sans son flash est à la merci de l'ulti Jarvan. Ça pourrait être un bon choix du côté d'Origen, mais est-ce que Fnatic va décider peut-être de ban le champion? Il peut le récupérer, il ne peut pas le prendre en premier par contre. Je t'avoue que j'espère un Lee Sin de Broxa, vu ce qu'il a fait la semaine dernière avec. Ah pardon. On a conscience justement de cette qualité de Broxa sur Lee Sin. El Jarvan qui est ban par les Fnatic, un très bon choix je pense. Il fallait se prévenir cet engage. Ouais, ce qui va donc amener les Origen à jouer Balarexai hein, pour Cold. Gragas aussi qui est assez apprécié en ce moment, et Cold est un excellentissime Gragas.
spell lock là avec ça. Il reste quelques pics intéressants là, dans la jungle. Ah bel et bien cette Rek'Sai. Alors quelle réponse du coup? Du côté de Broxa, on peut répondre avec quelque chose de plus agressif ou est-ce qu'on veut être... Ça existe pas trop honnêtement, là vu les bans, je vois pas ce qu'il pourrait avoir de plus agressif, mais du coup, je parlais du pic Gragas par exemple. Non il a Olaf. Ah j'aime bien le Olaf, moi. J'aime vraiment bien le Olaf. Je trouve que c'est très fort contre Lux et Zayak, qui sont les champions qui normalement savent se battre en reculant. Et un Olaf est très très fort contre ça. Et Gragas. Elle a eu le nez très fin. Ce Gragas du coup qui va appuyer sur l'engage proposé par Elisang avec son Rakan. Par contre, j'ai jamais été fan des Gragas Orianna. Ah, je trouve que les deux ultis en fait sont un petit peu contre coup. Ah, finalement ce sera pas une Orianna. Oh, ça j'aime bien. Chaîne. Ça j'aime beaucoup. Pour aller chercher du coup du support sur l'engage encore une fois de Illisang. Ça va permettre à Nemesis de jouer son Sylas au niveau de la mid lane. Sur un match-up par contre, on sera choisi par Nukeduck. Le Kennen pour terminer du côté d'Origins qui enverrait le Aatrox mid. Aatrox contre Sylas. Et c'est validé. Ok. Ok, donc c'est Nukeduck qui va a priori s'occuper du pick Aatrox et Alfari sur son Kennen. Face à un Shen. Qu'est-ce que ça donne Kennen contre Shen? Kennen hein, qui a le Haras. Ouais, il y a l'avantage au Kennen, mais je me demande si à un moment tu te retrouves pas rapidement bloqué par un Shen qui prend juste plus de dégâts en fait. Ça dépend aussi de ton build et là-dessus on n'est pas encore sûr. C'est vrai. De ce que va choisir Alfari. Parce qu'on a vu quelques Kennen on hit traîner dans ce début de Summer Split. Ouais, j'ai fait du speed push. Donc c'est plus souvent Klepto et AP quand même, mais. A priori, le on-hit n'est pas complètement à écarter l'équation. Le problème du Kashen en particulier, c'est que le on-hit, t'as quand même cette zone anti-auto-attaque qui va limiter une certaine partie de ton DPS. Complètement. Après, sur le long terme, je pense que le on-hit reste quand même plus efficace. En tout cas, dans le 1v1. De battre ce Shen. Et la collade de Youngbuck et de Guiloto. On est parti, Tech. Gros match. Aujourd'hui, Fnatic contre Origen. Je pense que c'est un match très important pour commencer déjà à dessiner le début de ce split. Voir quelles vont être les grosses powerhouses en termes d'équipe. On en a deux normalement ici. Origen qui avait remporté sa demi-finale du LEC contre les Fnatic. Et les Fnatic qui vont tenter de se venger de cette demi. Encore une fois, une rivalité qui remonte à 2015 en Europe. Fnatic contre Origen. Et on va rentrer dans cette game du coup. Fnatic Origen. Avec une invade là, ils vont faire quelque chose avec le Shen, les Fnatic. Shen qui est un excellent champion pour les 1v1. Puisqu'avec un spell, on peut passer au travers des murs et on a un hard CC également à proposer. Et Patrick qui couvre le bon endroit, cet endroit qu'aime utiliser Shen justement pour passer dans le dos de ses adversaires. Et derrière, tu joues à l'enclume et au marteau. Ouais. Tu rabats tes adversaires vers le Shen qui taunt et ça peut souvent donner un first blood. Mais on n'ira pas chercher cette invade a priori du côté des Fnatic. Pas d'opportunité, on était voir s'il n'y avait pas un joueur Regen au niveau de cette tour ou à l'entrée de la jungle. Et vu qu'on ne voit personne, on se doute qu'ils sont plutôt en train de protéger leur blue buff. Du coup, ça semble un peu plus compliqué. Alors, est-ce qu'on va quand même. On n'a toujours pas back. Hein. Les Fnatic. Avec ce Sylas pour Nemesis. Conqueror de son côté. Et un tour d'horizon des runes. Donc, ce sera Klepto hein, pour le Kennen. Donc, a priori, AP du côté d'Alfari. C'est Bouipo qui a joué mid lane en fait sur son chaîne. Oui, je comprenais pas pourquoi il backait ouais. Pas. Ah ouais, complètement. C'est un chaîne contre ce Aatrox. Mais est-ce que. Chef, hein. Le chaîne c'est bien contre Aatrox. Alors là. J'avoue que c'est pas un match-up que j'ai. Franchement. J'ai beaucoup vu. C'est l'un des temps. Et Sylas contre Kennen, alors on le sait, hein. Bon, Sylas c'est. Sylas a le wave clear en early game, mais il doit quand même
faire attention aux races du Kennen. Par contre, dès que les deux champions commencent à avoir un peu d'items, le match-up est 100% pour le Sylas. Il vole l'ulti du Kennen, il lui met énormément de dégâts. Et en plus de ça, il peut sustain, il peut faire proc. Alors, il joue pas Aftershock, hein. C'est vrai qu'on est sur Conqueror pour l'instant du côté de Nemesis. Mais il doit respecter pour l'instant la portée de ce Kennen, donc Alfari qui zone, qui domine. Donc vraiment cette midlane, je me demande ce que ça va donner entre Shen et... Oula, très bon trade là. Alors par contre, il y a toujours une vérité avec Shen, c'est que lorsque le champion touche sur son taunt, ouais, en général, il outtrade complètement ses adversaires en early game. Ça va mettre le Q-spell juste derrière pour avoir les dégâts augmentés sur l'auto-attaque. C'est vraiment beaucoup de dégâts. Et en plus, avec un bon timing sur l'utilisation de ton passif, tu peux vraiment défier une partie du burst du Aatrox. C'est intéressant là, ce que font les Fnatic. Ouais, non, ça va être intéressant ce pick chain. Hein. Effectivement, en jouant avec ton shield, t'as peut-être... Après bon, je sais pas si Shen est une très bonne réponse au sweet spot du Aatrox. Je pense que ce swap est principalement pour mettre à ce Sylas être dans un matchup très positif à mon avis. Oh, bon, par ça, il profite largement de ce push, il va pouvoir récupérer le blue buff. C'est très bien qu'un Shen ne peut pas vraiment décaler aussi rapidement contre un Trox. Oui, Cold. Il va pouvoir regarder filer ce crabe. Bon, ça de retour vers le bot side, on va jouer le deuxième crabe, il semblerait, et la priorité au niveau du mid, elle est contestée, hein, j'ai l'impression. Broxa qui est en embuscade également, Cold n'est pas loin, mais Cold avec son sens tellurique a l'information. Attention, le trade au niveau de la bot lane, Reckless et Illisang qui engage, Mitty qui contrôle, Reckless qui prend beaucoup de dégâts, et maintenant Broxa qui se présente. Il y avait le Predator qui était actif, on ne pourra pas vraiment engage du côté de Broxa malheureusement, avec la présence de Cold pas très loin. Ah, le souci quand même de Shen, c'est qu'il a pas le wave clear d'un Aatrox. Hein, donc, ça va être très problématique pour la mid lane. Alors certes, ça trade bien quand ça tonne Shen, mais franchement, son Tiamat, c'est la galère. Et Aatrox, de son côté, a un très bon taunt ici. Et New Dog qui pourrait être forcé de flash. Alors, j'ai cru que Broxa irait tenter hein, au moins un body slam. Ouais, parce que rien qu'avec body slam, tu peux forcer le flash adverse par réflexe. Il va tenter aussi avoir un fake body slash. Pas utilisé. On va avoir de plus en plus d'utilité, je pense, pour les Fnatic. Par contre, à trouver des opportunités, on l'a dit, hein, cette mid lane, on est dans une situation où on va se faire push naturellement. Dans la bot lane, on a vu un Mitty parfaitement solide sur ses cages qui trouve, notamment sur le trade précédent, la cage sur les deux joueurs Fnatic en un seul sort. Et du coup, avec en plus un Gragas qui est quand même basé sur la Predator pour essayer d'engage, encore une fois, un engage relativement linéaire, ben, la cage de Lux peut être très problématique. On va tenter quand même malgré tout Broxa, mais l'air repéré. Retour bot pour Broxa, et ça commence à manquer de mana et de points de vie pour Patrick et Mitty. Mais il est repéré, le jungler des Fnatic continue à rester. Il est 100% vu, hein. On lui a pas donné l'information sur la ward là. Encore son peur en plus. Oh, c'est plus souci. On arrive à prendre le push, et c'est ça qui a été important bien évidemment. 43 sbires, ça va permettre... Je pense avec la super son bac et d'aller récupérer sa BF. Lane par contre. Forcément on peine du côté de Bwipo. Et en termes de maîtrise de wave. En termes de farm, et plus ou moins Ivan, il avait récupéré cette vague. Ça va, mais bon, il y a une grosse wave qui stack. Et après il peut tenter de la contrôler, Bwipo. Bon, il est passé 6, hein. Maintenant ce Shen peut arriver à la rescousse de n'importe qui, peut-être sur cette top lane d'ailleurs. Cole qui se présente, il récupère la pink, Nemesis tente de contester mais pas vraiment, et Broxa de nouveau sur la mid lane avec Illisang, c'est le moment, un body slash, peut-être le taunt flashé, et là on va pouvoir enchaîner les contrôles du côté des Fnatic. Nuke Duck ne pourra pas survivre, first blood sur ce décalage de Illisang et l'excellent gang de Broxa également. Bwipo qui assure le premier contrôle et Fnatic qui marque en premier dans cette rencontre. Et du coup, on va profiter d'avoir ce swap qui avait été engagé pour mettre la duel lane directement sur la mid lane de manière à mettre beaucoup de pression. Ça force un TP sur Nuke Duck. Il aura du mal à tenir cette tour seul. Cold qui va devoir passer un petit peu. Oh, attention, le Shen! C'est un ulti Shen, le Stan United de Bwipo qui apporte le soutien nécessaire à Nemesis. C'est un kill facile pour les Fnatic. Alfari qui tombe. 2 kills à 0 déjà pour Fnatic et... Ça ne s'est pas passé bot lane. Qu'est-ce qui se passe, Tech? Ça n'est pas passé bot lane, mais la bot lane était quand même sur la première la action. La bot lane était présente, mais pour une fois, ça n'a pas été une action massive de Fnatic
sur le côté de Reckless. Malgré tout, c'est un Bwipo qui s'est rendu extrêmement disponible pour son équipe. La première fois, il donne son flash pour obtenir un kill. La seconde, c'est le soutien indéfectible. Et on va reprendre la position au niveau des lanes. Pour une raison assez simple, c'est que Nemesis, ayant volé l'ultimate de Alphari, n'a plus vraiment cet avantage très intéressant du Sylas contre le Kennen. Ouais, il faudra attendre un peu pour Nemesis. Là, le counter jungle du côté de Cold. Alors, ce Shen qui est revenu avec Tiamat, ça va quand même améliorer sa situation en lane. Oui. Et Nemesis qui reprend la mid lane. Ah, bah elle est bien, il a bien l'impression du côté de Alphari. Ah ouais. Ah bah oui. Et la Klepto. Tiens donc, Klepto est on hit. Je sais pas s'il a changé d'avis au cours de la guerre avec à cause du swap. Si vraiment c'était l'objectif de base. Bah, c'est étonnant en tout cas. On va revoir la top lane. Quand est-ce qu'il flash Alphari? Ça flash pendant qu'on était en point. Ouais. Bon, sur la première agression de Nemesis. Ouais, ouais, et bon, bah, bon kill hein, du côté des Fnatic là. La communication est au point. Bwipo arrive au bon moment. Reckless sous pression par contre. Lux et Xayah, un combo gagnant au niveau de la portée du wave clear. Il y a une grosse pression de lane. Bwipo qui décide de tenir son topside. Attention à Cold, le ton de Bwipo, il s'expose. L'ulti directement d'Alphari, on va enchaîner les contrôles. Plus de flash hein, pour Bwipo qui n'a plus de taunt et il sort au bon moment. Cold, il a su être patient. Très bon gank des Origen qui sont devant tout de même au niveau des golds malgré les deux kills des Fnatic. 1000 golds d'avance pour Origen. Et c'est notamment cette situation mid, le match-up hein, qui était très avantageux quand même pour le Aatrox au niveau du clear. Et bot également. Patrick qui a pris un ascendant sur Reckless. La mauvaise nouvelle finalement pour les Fnatic, le fait que ce décalage de Reckless sur la mid lane n'a permis ni à Reckless de récupérer un kill ou une assist, il est arrivé un peu trop tard sur le kill, et ni lui a permis de prendre des plaques sur cette tourelle mid lane à cause du TP de la part de Nukedug. On n'a pas voulu forcer puisque le Cold était présent. On se retrouve du coup avec un Reckless peut-être qui a perdu du temps par rapport à son timing de farming habituel puisqu'il a dû faire un décalage. Il n'a pas été payant. On va devoir maintenant remonter un petit peu son retard. Face à Patrick en forme, honnêtement, c'est Xayah. Broxa. Ouh, il a le flash, hein, il est prêt. Nukedug qui a utilisé son ulti de son côté. Une bonne prise pour les Fnatic si on a envie de lancer un nouveau fight sans ulti d'Aatrox. Les choses seront sans doute plus simples. Et Bwipo qui a de nouveau son ulti de disponible pour lancer une action quelque part. Peut-être au niveau de la bot lane, Nemesis qui wave clear rapidement et qui va peut-être se rendre disponible. Les Fnatic auraient une option et si ça ne fonctionne pas, ils pourront toujours prendre la priorité et tenter un dragon. C'est trop bien wardé du côté Origen. Elle est très bonne là, je trouve, la situation défensive de Origen sur cette bot lane. Il arrive toujours à assurer une vision sur les timings où les Fnatic ne sont pas forcément au courant. Et on voit encore une fois Broxa qui attend sur une ward. Avec une Lux, c'est très facile. Il a tenté là du côté de Nitty. On s'est placé vers un joueur, on a que le spell sur le second. Mais Reckless n'est pas forcément un joueur et la dernière pluie. Spell shield et on ne voit plus rien. Ouais, 2000 gold d'avance maintenant pour les Origen. Fnatic qui tente de provoquer un fight. On les voit depuis tout à l'heure, ils cherchent en permanence. Cole qui repère finalement Illisang. Cole qui part en chasse. Illisang qui doit abandonner la position. Origen qui contrôle pour l'instant et qui anesthésie les tentatives de Fnatic. Doucement mais sûrement, Origen qui prend l'avantage au niveau des golds et qui ne se laisse pas emballer par le jeu des Fnatic. Au Cold en embuscade, encore une fois, on ne fait que contrôler. J'ai l'impression que du côté Fnatic, on sait qu'il y a toujours cette ultimate de Nukedug qui n'est pas disponible. Donc si on peut prendre notre teamfight maintenant, c'est le bon moment. Ouh, le cancel de back peut-être. On n'est pas la formation de Nemesis. On va engage sur cette Aatrox. Et malgré tout, c'est le contrôle de la rivière botside qui est récupéré par les Fnatic. Toujours avec l'ombre de ce dragon. Malheureusement, ce n'est pas forcément le dragon sur lequel... Oh, Broxa, Nukedug qui doit flash out. Et son sidetap est excellent. Il semble qu'il va tenter de rattraper Nukedug qui tente de résister sans succès. Encore une fois, les Fnatic qui triangulent la position du midlaner des Origen. Et c'est un nouveau kill sur Nukedug. Mais ça se paye ailleurs sur la carte tech. Alphari qui prend des plaques ici.
Ouais, Alfari qui s'en sort très très bien, lui, avec maintenant 5000 gold. Il a plus de 3000 gold de plus que son opposant direct. 300 gold, pardon, de plus que son opposant direct. Autant dire, potentiellement une tête de compléter plutôt. Côté Fnatic, on essaie de compenser un petit peu en ayant forcé le bug du top laner. On sait qu'on a la main mise sur ce héros de la faille qui sera récupéré. Est-ce qu'on pourra en plus utiliser pour prendre des plaques? Ce serait idéal, bien évidemment. Et pendant ce temps, Reckless sur la botlane va devoir farmer. Alors, est-ce qu'on va laisser tout seul Reckless pour permettre d'accumuler un... C'est un grand classique, hein. C'est une Reckless même. Ouais. Le laisser en speed push en side lane, Broxah qui prend ce Herald. Fnatic qui réagit bien après la prise, après la, ce kill sur Nuke Duck. Et on revoit cette action. Moi j'ai eu un léger manque de communication entre Illisang et le reste de son équipe. Illisang n'ose pas prendre les contrôles tout de suite. Pour ne pas mettre le burst fait et ne pas prendre le kill. D'ailleurs il se rate un petit peu sur son flash, il aurait bien aimé trouver le charme sur la dernière seconde de l'ultimate. Ouais, c'est ce qu'il cherchait complètement. Attention, Nuke Duck qui trouve Nemesis. 1, 2, 3. Nemesis qui pourra s'en tirer. Et attention, Alfari qui rejoint ses coéquipiers. Mais du coup, Alfari avec. Alors, c'est ça quand même. La question de la part d'Alfari, peut-être pour trouver le. Oh, Maelstrom. Non, on n'ira pas plus loin, quoique là. Mais Alfari, en fait, il va tout simplement faire un pistolame, je pense. Pas vraiment un Budon. Oui, ouais, c'est pistolame. C'est pistolame. Pas pour moi. Ouais, on s'est laissé emballer par la cutlass, mais ouais, c'est Pistolam qui est l'alternative duel du Kennen AP. Ouais, tu saignes énormément, notamment avec un Kennen. Et Reckless qui a rattrapé son retard au farm petit à petit, monte en puissance. On l'attend à 3 objets de toute façon. Reckless, pendant ce temps, son équipe joue sans lui. Ouais, c'est cool. Avec 2000 gold de retard, avec d'origine qui continue à mettre la pression sur les tours Fnatic, notamment sur cette top lane, et du coup qui pourrait se faire agression. Follow-up, c'est trop compliqué quand même d'aller chercher un dive. Excellents dégâts ici, le Rift Herald est invoqué de notre côté, les Fnatic qui vont tenter d'emballer le match ici, la bot lane qui va être récupérée, premier tour pour les Fnatic qui enchaînent bien, et Origen répondra mais un peu plus tard là. Cette top lane est récupérée par Alfari. Timing est très bon de la part des Fnatic. Ce Herald lors du gank de la part de Cold sur cette top lane. A mon avis, ils attendaient juste de voir où était positionné la Rek'Sai avant d'utiliser ce héros de la faille. Malheureusement, ça ne prendra pas des agressions sur le Aatrox. Qui va tomber, excellent dive ici. Attention, Cold qui tente de résister. Il va utiliser son ulti directement sur Broxah qui était en train de se faire encercler par les éléments Origen qui sont venus à la rescousse. Illisang et Reckless sont sans doute morts ici. Les Origen font un énorme coup dans ce match. Ah, je sais pas si c'était vraiment le bon choix d'aller chercher aussi loin sur ils sont trop restés, ils sont trop restés autour de ce Herald, les Fnatic. Et à un moment, il faut savoir lâcher prise pour prendre le reset et pour revenir. Et on a décidé de rester beaucoup trop, de forcer l'action. Et Origen qui punit et qui repasse à 2000 gold devant. On perd beaucoup de momentum du côté des Fnatic. On aurait vraiment pu mettre de la pression sur la bot lane. Finalement, tout est perdu. Ça peut peut-être même permettre à Origen d'aller chercher ce premier dragon qui, pour le moment, a toujours été un petit peu laissé pour compte. Mais là, ce sera récupéré. Ouais, mais c'est cool de le faire. Bon, on sait très bien qu'il n'y a pas de jungler adverse sur la carte actuellement. On revoit hein, là, honnêtement, il faut s'arrêter là du côté des Fnatic. Il faut s'arrêter là. Il y a une charge. Ça suffit à prendre un reset. Complètement encerclé pour le coup. Cole qui joue bien le coup, qui va sur le joueur isolé. Et bon, et le seul qui était à peu près en position de s'échapper potentiellement. Voilà, quelle mauvaise idée du côté des Fnatic, vraiment, et c'est pas terminé. Nemesis qui est contrôlé, attention, il est tanky, Nemesis, il va résister. L'ulti de la Lux, il est touché, oh! Et ce shuriken ne touchera pas, mais Nemesis doit maintenant fuir loin des Origen qui vont pouvoir sécuriser 7-1 sur la bot lane. Et Fnatic qui galère, hein, qui galère dans ce match. Broxah va tenter de faire la différence au niveau de la mid lane. Nuke Duck a peur d'un dive, a raison a priori vu ce qu'on lui a fait jusque là, mais il y a du soutien cette fois-ci. Avec et Origen qui se maintient en place sur cette mid lane. Maintiennent l'équipe à tienne, même leur avance pour le coup. On est maintenant à 2 tours à l'avantage. L'écurie espagnole. Côté de Bouipo, on essaie de faire le son. On essaie de prendre un petit peu de speed push, de
mettre en forme ce Shen. Il est toujours derrière parce qu'il n'a pas complété son premier item. Là où du côté d'Alfari, eh bien, on a senti quand même l'impact de l'âme, plus maintenant un peu plus de pénétration magique. Ça va taper très très fort. Oh, attention, Broxa qui se retourne sur Patrick. Sans danger pour le carry AD des Origènes. Les prochains dragons seront un infernal. Hein. Il y aura sans doute une explication. Fnatic, à mon avis, essaiera d'emballer le match à ce moment. Le problème, c'est que est-ce que Fnatic aura les armes pour prendre un très bon teamfight à ce moment de la partie? Il va falloir abuser, je pense, du positionnement de Wipo sur la carte pour le maximum d'ultimate de cette chaîne. Et surtout, on a un Reckless qui, pour le moment, est un petit peu en retard en termes de stuff. Il risque d'avoir quelques soucis. Ouais, après il est pas très loin au farm, hein, Reckless, et quand tu regardes les items finalement, Patrick a juste ses bottes améliorées en plus. Ah, d'ailleurs, Reckless il vient de compléter son revolver. Après, si je devais teamfight avec un item ennemi entre Xayah et Sylvia, j'avoue que je préférerais jouer avec une Xayah. Oui, mais à part si l'ulti par exemple de la Sylvia permet de mettre un hard engage sur un champion clé, ça dépend un peu. Ça dépend un peu quand même de la situation. Et on va surveiller également le Kennen d'Alfari, hein, qui pour l'instant est extrêmement bien dans son match. Ils ont essayé de le deny de cette manière, ce Kennen. Évidemment, ce n'est pas du tout passé. Il faut quand même garder en tête qu'il a nécessité bien lui aussi. Et même d'ailleurs au même niveau ce Kennen. Et un Sylas est aussi un champion qui peut être très délicat à gérer d'ailleurs, à l'image de ce qui se passe sur cette bot lane. Mais il va pouvoir prendre cette tour en speed push et on va avoir un 1-3 finalement qui se fait. Ouais, mais Alfari qui met tellement de dégâts, il a pas du tout de résistance magique, hein, Bouipo. Donc là, dès qu'il prend quelques dégâts de la part d'Alfari, ses points de vie implosent complètement. Mais Fnatic qui a quand même réussi à manœuvrer pour prendre la T de bot. Donc on réplique du côté des Fnatic, ils sont devant au tour. Mais est-ce qu'ils peuvent se mettre en situation pour prendre cette T1 mid? Reckless qui tente de s'approcher, on menace d'un dive. Patrick qui wave clear rapidement et efficacement. Et ce Kennen n'a pas encore de TP, mais les Fnatic doivent se méfier vraiment des flanks d'Alfari. C'est ce qui pourrait mettre à mal leur position sur la mid lane. C'est vraiment l'énorme danger pour eux à contrôler. Et surtout, si on projette une histoire en situation d'engage, ils ne seront pas forcément en mesure de bloquer Alfari pour l'arrivée. Il faudra s'appuyer sur Broxa. Quoi qu'il aille, il faudra forcément un joueur Fnatic en retrait pour protéger Reckless, pour protéger mon Nemesis aussi de l'engage des Origènes. Il y a tellement de follow-up en plus derrière. C'est très facile, hein, pour par exemple un Kennen de suivre sur une cage de mythique. Après, ensuite, une fois que le Kennen est placé dans le milieu du fight, c'est très facile pour un Aatrox de positionner toutes les zones critiques qu'il a envie de mettre. Oh. Et les Origènes qui ont envie d'accompagner le split push d'Alfari a priori. Est-ce que Origènes a une arme pour limiter le 1-3-1 des Fnatic et le forcer peut-être en 4-1 qui est plus avantageux pour eux? Honnêtement, tant qu'Alfari est bien dans son match, on va voir. Après, Fnatic, leur école de jeu, c'est pas forcément le split, hein. Parfois ils split. Je crois que leur meilleur split pusher récemment, c'est Lee Sang. Avec son Rakan, hein, notamment. Ça tombe bien, on est dans un match où il y sent que joue Rakan. C'est peut-être ça, la continuité. Mais bon, Fnatic, il split, mais pas trop. Hein. On favorise quand même les phases de regroupement. Attention, il y sent qu'il pourrait se faire contrôler. Cold est en chasse et le dragon infernal qui apparaît. Moment important entre les deux équipes. Et il va falloir arbitrer pour les Origènes. Dragon infernal ou T1 mid lane. Et on favorise le dragon infernal du côté d'Origènes. En s'attendant peut-être à ce que les Fnatic viennent. Nuke Duck en flanque, attention. Ça va être un 50-50 remporté par Cold. Et pourtant, Broxa a une réputation de smiter qui défraie la chronique. Mais Cold s'interpose ici et s'impose même. Cependant, Fnatic qui peut récupérer 7-1 mid. C'était accepté par la Origin. À partir du moment où ils ont pris la situation au niveau de la rivière, ils savaient qu'ils allaient perdre 7-1 mid lane. Pour récupérer du coup ce dragon infernal qui va d'autant plus faire grimper le montant de dégâts disponibles pour Alfari. C'est très compliqué de gérer ce Kennen en split. Une des solutions, pourquoi pas, hein, si on arrive à mettre à 1-3-1, on arrive peut-être à au moins ralentir ce Kennen, on aura toujours une wave, enfin une lane plutôt, qui prendra l'avantage, probablement menée par Nemesis, avec en plus sur la mid lane
bah, largement le quoi, les wave clear. Hein. Tu mets une Sylvia toute seule sur une lane, il n'y a pas un sbire qui passe. Et en plus, elle est protégée par un Gragas. Ça rend les engages très compliqués. Ouais, toujours de l'avance pour Origen. Ça s'est réduit par rapport à tout à l'heure, mais il y a un dragon infernal quand même dans la balance. Oh, et les Fnatic, Illisong. Ah, avec le chien également, on y va directement, on enchaîne les contrôles. Alfari est dans l'incapacité totale de bouger. Et c'est un kill facile pour Fnatic. Ah, il est bien ce kill Fnatic, il est très très bien puisque ça débloque beaucoup de situations. On va pouvoir peut-être mettre plus de pression maintenant, notamment sur cette botlane avec un Nemesis qui ne sera pas dérangé par le KNN. Est-ce que en plus on peut forcer les Origen à jouer sur le top side de cartes et du coup se libérer de l'espace vers la T1, la T2 mid lane? C'est parfait. Atem a se repositionner. Cette Origen, il y aura la protection offerte par Patrick. Et là c'est une rotation dans la jungle des Origen. Est-ce qu'ils ont de la vision? Ils ont de la vision. Ils ont beaucoup de pink ward les Fnatic. Et quelques wards vertes à distribuer. Donc c'est le bon moment pour tenter de prendre une bonne position. Et de contraindre les Origen à évoluer dans le noir. Mais Origen qui a quelques wards qui survivent tout de même. Et le TP d'Alfari est disponible. Les situations de Nashor semblent un peu difficiles à prendre pour les Fnatic. On va voir ce très catch. Force quand même des ultimates. Je pense que c'est complètement rentable pour les Fnatic, histoire de reprendre un peu le contrôle de la carte. Alors plus de flash par contre pour le Rakan. Mais bon, c'est le seul summoner avec l'Ignite. Hein. C'est le summoner du Rakan qui y sont passés. Pourquoi pas Fnatic qui a pu reprendre la position au niveau du barreau et maintenant faut tenter de garder cette vision en poche pour les Fnatic. Origen qui tente de contester, qui avance sur ce pixel. Oh, et qui distribue les pinks hein, quand même autour de la mid lane. Il y a des ressources qui sont engagées par Origen. Alors le Sayla c'est mid pour l'instant, donc Origen a une priorité en termes de nombre. Attention, Wipo qui intercepte Cold. Et la T1 est récupérée par Origen sur cette phase de jeu. On met un petit peu les la balle au centre. Origen qui reprend de cette manière le contrôle de la rivière. En tout cas qui en retire à Fnatic. Ce qui peut revenir parfois au même. Par contre, j'ai l'impression que le duel face au Sylas n'est pas forcément simple à prendre. Il y a un peu en retard avec l'heure des Origen. Alors pour le moment ils sont pas repérés, Origen n'a pas forcément l'intuition si c'est bon, c'est fait. Ouais, alors après pas sûr qu'avec une civière deux items t'es vraiment aidé. Ouais, une civière deux objets ça paraît un peu limité quand même hein, là, les Fnatic. L'intention est intéressante mais. Oh le TP, on en parlait, un TTP au niveau de la mid lane d'Alfari. Alfari qui arrive directement pour réceptionner. On cherche Reckless et la défense des Fnatic est en place. Ulti de la part de Cole qui se fait parfaitement réceptionner. Mais on perd tout de même Reckless pour les Fnatic. Origen qui sécurise deux kills contre un seul de concédé. Mais la perte de leur jungler leur interdit une phase de pression supplémentaire au niveau du baron. Ouais, pas de Nashor, mais du coup on va pouvoir aller mettre Nuke Dog tranquillement en récupération de farm au niveau de la botlane, peut-être même faire progresser cette botlane pour l'éloigner du danger des tours et peut-être même récupérer derrière de la vision. C'est ça maintenant l'intérêt pour les Origen, prendre toute l'information nécessaire et dans l'idéal retirer les pinks qui avaient été placés en amont par Fnatic. Non, on n'ira pas la chercher du côté de Misty, on n'a pas encore suffisamment d'informations, on ne veut pas prendre de risques pour le faire. En tout cas c'est un teamfight qui a été rondement mené. Ouais, les Origen hein, qui montrent aux Fnatic qu'ils n'ont pas peur des teamfights, mais qu'ils vont sans doute les choisir très précautionneusement. Et un nouveau dragon infernal, attention, un nouveau round sans doute entre les deux équipes. Alfari n'a plus de flash, son ulti est en train de revenir. Quels autres éléments majeurs il nous manque? Plus de flash hein, pour Reckless, ça peut compter. Il n'y a pas de TP, pas de flash pour Alfari, c'est-à-dire que le prochain TP sera au moment où Reckless aura récupéré son contre flash. Oh, Alfari, beaucoup de dégâts sur Illisong, Nemesis qui vole cette ulti Aatrox. On récupère la position, le Gragas en ça qui s'avance. Super, Patrick qui tombe ici. Et les Fnatic qui grâce à cette action de Broxa vont pouvoir récupérer le dragon infernal. Ah, il est important ce pick-up, il est très très important. Et là par contre, ils ont la possibilité d'aller mettre de la pression au niveau du baron. Eux les pics, elles étaient en place. Ah, il faut quand même réinstaller la vision hein, du côté des Fnatic. Attends ça. Seule suffisait.
Ils en ont mis deux, les Fnatic. Et les Origen, attention, parce que là, enfin, les Fnatic, est-ce qu'ils peuvent engage? Ils ont un ulti Rakan, ils ont bientôt le flash. Est-ce qu'on va pas turn plutôt? Alors, Nemesis, qui tente d'y aller, très bon engage de Nemesis. Ce vol de l'ulti du Kennen est excellent. Bwipo qui tente un all-in, c'est un peu loupé quand même. Ce flash de la part de Bwipo, ça n'apporte pas grand-chose. Dommage pour les Fnatic, mais Alphari est tombé. Ouais, c'était la grosse menace évidemment du côté Origen. C'était le seul qui était vraiment capable d'empêcher les Fnatic d'aller chercher ce Nashor. Et c'est pour cette raison que je te rejoins, je pense que Bwipo a été trop loin. Ils auraient pu se permettre de juste tuer le top laner adverse et revenir contester ce Nashor. Ils auraient pu, hein, je te rejoins, toujours forcer les Fnatic à plus s'exposer, enfin les Origen à plus s'exposer, mais peut-être un peu trop forcé ici. Dommage, parce que dans l'idée, la Nemesis qui prend la bonne initiative. Le kit de Sylas qui est quand même excellent pour Gap Clock. Oh, c'était bien loupé pour Bwipo. Il aurait pas eu lieu. En plus, ils ont les points de vie pour continuer ce Nashor derrière. Il n'y avait pas vraiment de menace. Force, il semble revenir à la pêche au ward. Attention, Illisang, Illisang, où est-ce qu'il va pouvoir s'en tirer? On suit bien sûr du côté d'Origen. Illisang qui perd son flash. Un summoner précieux pour un Rakan. Une force d'engage de moins pour les Fnatic. Et ça, évidemment, c'est Patrick qui en est ravi. Azalea qui devrait pouvoir rester un peu plus longtemps. Trois items maintenant sur les ZD Carry. Ils vont de plus en plus tourner autour d'eux. Ouais. Il y a les deux équipes qui occupent pas trop les side lane quand même. Un bot là, bon, Origen va être obligé d'envoyer quelqu'un. NukeDuck, hein, il faut y aller, il a un TP. Côté Origen, on veut laisser le plus possible de farm à NukeDuck pour qu'il puisse remonter un petit peu et être plus efficace en teamfight. Et du coup, on délaisse la puissance d'Alphari qu'il a apporté en termes de speed push. Ouais, Fnatic qui reprend la prio mid, bon, mais. Eh ouais, les. C'est vrai que ça joue minutieusement au niveau de la préparation des fights. Au niveau de la prise de vision dans les quelques buissons, mais le jeu sur la carte est assez moyen, je trouve, de la part des deux équipes. On tente juste de gérer les lanes. C'est pas grassé, peut-être pas. Ouais, alors Cold a aucune chance hein, contre un chêne. C'est Cold qui va prendre cette wave. Nati qui lance de nouveau un Cold Baron avec la présence de la Rek'Sai bot. On essaie un peu de mettre du rythme du côté des Sextuples champions d'Europe. Et ça scout à l'éclat final de Mitty. Dans la formation maintenant, mais le problème c'est que ce chêne lui est parfaitement positionné, c'est-à-dire très loin du Nashor, mais capable de le rendre. Oh, l'école qu'il a tenté! Et Broxa qui sécurise cette fois-ci le smash face à son vis-à-vis. Alphari qui tente le all-in, c'est loupé. Les Fnatic qui pile parfaitement. Patrick, une stopwatch décisive peut-être, quoique il faut encore survivre à la fin du fight. Et Nemesis qui fait un travail colossal, ce conquérant lui permet de sustain comme jamais. Nemesis qui va chercher la backlane. Et Fnatic, fort de ce baron Nashor qui fait peut-être le break dans ce match, c'est un ace tech. Quel teamfight de la part des Fnatic avec Nemesis qui va prendre la position de Bwipo il y a quelques secondes, c'est-à-dire cette bot lane, on va amener toutes les vagues nécessaires et peut-être même aller terminer la game. Ils vont tenter. Ah, ils vont tenter d'aller finir, hein, bien sûr, les Fnatic. Les Origen battus sur un teamfight et qui perdent instantanément le match. Fnatic qui reste invaincu dans ce LEC Summer 2019. Très impressionnant cette gestion Fnatic. Ils avaient bien compris qu'il fallait absolument réussir ce teamfight au niveau du Nashor. Et pour faire ça, ils ont mis leur bille petit à petit. Et à partir du moment où Bwipo met en danger la T3 botlane, comment faire du côté de Origen pour y répondre? On fait surprendre et derrière l'engage a été rondement mené. Encore une fois, le teamfight Fnatic qui se permet de briller. Ça va être un sacré compétiteur Fnatic sur ce split. On a toujours évidemment G2 à aller chercher. Bon, les énormes ogres disponibles. Et pour Origen par contre c'est un coup dur. Perdre cet affrontement direct face à Fnatic. C'est-à-dire que pour la suite du split, ils vont jouer derrière. Il faudra être encore plus efficace. Ouais, il faudrait. Ouais, ils auront un match retour hein, pour tenter de prendre leur revanche, l'Origen. Mais ouais, on a eu une rencontre un peu lente par moment entre les deux équipes. Même si on a eu régulièrement des fights. Mais entre les fights, j'avais pas l'impression qu'il y avait une énorme animation.
fait, c'était chacun allait juste gérer sa lane rapidement, juste contrôler un petit peu la. Et après, on se regardait un peu dans le blanc des yeux. Puis bon, si une équipe perdait la vision un peu au niveau du Nash, on tentait d'y aller, mais c'était pas aussi dynamique que ce qu'on pouvait attendre de la part de ces deux équipes, je pense, qui j'ai l'impression, se sont un peu retrouvés dans une situation de crainte mutuelle. Chacun avait des beaux arguments en teamfight quand même. On ne voulait pas laisser de place à l'adversaire, mais du coup, ça manquait peut-être un peu de dynamisme en mid-game entre ces deux équipes. Ouais, on avait les Fnatic qui avaient récupéré un peu le contrôle de map, donc c'était compliqué pour Regen de se positionner et de mettre du danger, mais du côté de Fnatic, la simple ward derrière avec un flanking d'Alphari pouvait être trop dangereuse. Exactement. Du coup, chacun était un petit peu avancé à petits pas sans trop se mettre en danger. Je pense que sur l'intégralité de la saison, il faudra faire attention à ce genre de situation. Il va falloir réussir en fait à trouver la bonne agression, même en termes de macro, réussir à être incisif pour ne pas laisser autant d'espace à l'adversaire. Tu vois, par exemple, contre G2, Origen était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus agressif, beaucoup plus proactif dans tous ses plays. Et là, j'ai l'impression que, sachant que Fnatic est une équipe qui aime beaucoup Teamfight à 5, tu vois, ils voulaient juste bien préparer ce genre de moment, s'assurer de ne pas être pris en défaut. Et ça a fini par arriver sur le cache de Fnatic, ils vont au Baron, et derrière, ils enchaînent les phases de jeu. Ils ont contrôlé le Baron, en fait. Et grâce à ça, j'ai l'impression qu'ils ont pu trouver le fight qui leur convenait. Je pense vraiment que le fait que ce Aatrox soit en retard, on a désespérément essayé de lui donner du farm, et du coup, on a perdu tout le momentum qu'il y avait sur Alphari. Et je pense aussi que c'est un élément qui a peut-être perturbé un petit peu les Origen. Ne pas réussir à avoir un speed pusher fort qui bloque un petit peu la situation de jeu que les Fnatic avaient. Les Fnatic avaient juste à aller sur une side lane, prendre la vague de sbire pour contrôler que les vagues de sbire étaient bien du côté adverse de la carte, revenir contrôler le Nashor ou la mid lane, et aucun joueur Origen n'était vraiment là pour contester. Et je pense que c'est ça aussi qui a posé problème. Ouais, potentiellement. Mais c'est vrai que bon, Fnatic, qui contrôle, qui semble contrôler. Et pourtant, l'early game, ils ont beaucoup cherché de situations de jeu sans trop réussir à en valider. Origen semblait bien gérer, mais peut-être qu'ils ont trop géré justement les Origen, et peut-être qu'ils n'ont pas su emballer suffisamment le match quand ils en avaient l'opportunité. C'est possible que le swap initial des Fnatic ait fait peur aussi un petit peu à Origen. On a vu qu'ils ont joué de manière très conservatrice finalement sur ces tout premiers niveaux. À un moment où on avait quand même l'Araxaï pour être agressif, il n'a pas forcément trouvé suffisamment d'espace, je pense, pour aller chercher les gangs qu'il aurait souhaité. Et c'est vrai que du côté de Fnatic, j'ai beaucoup aimé ce choix du swap, simplement pour assurer au sideline d'avoir un match-up favorable. C'était intéressant, mais ça s'est payé quand même en farm, tu vois. Alors, on a l'interview de Nemesis, on revient tout de suite après. Merci beaucoup, Nemesis, pour me rejoindre, parce que je sens que c'est la première fois que vous me rejoignez en broadcast. Donc, je veux savoir, dis-moi de votre développement en tant que joueur, depuis que vous avez rejoint Fnatic en spring. Je pense que ma transition à Fnatic était très facile. Spring split, j'étais jailed par Lissandra un peu. And now summer split. Now that she's gone, I'm finally free. And you look much freer, by the way. I want to know. You wake up one day, you get a phone call from World's finalists saying that you are to replace Caps in the mid lane. What goes through your head? Because it's crazy. I was very nervous when I got the call. The first thing that went through my head was like, oh my god, I'm gonna get a OnePlus phone. And how does it feel a few months afterwards? Did you find your marks? Is everything good? Yeah, everything is good. Awesome. Now back to present times. You had an amazing week last week, especially as a jungle mid duo. So tell me about the relationship you can have with Broxah on the Rift. I think every person who joins a team, relationship that starts, at the start, they're like very slow. But the more you play together, the better you get. So now that we have played together for quite some time, we're getting better. And it looks like it. When we see you guys in game, you really look like a better version of yourselves in spring. So congrats on that. Thank you so much for joining me. And we have many things to say about the game you just had against Origen. So let's send it back to Shox. C'est bizarre, Nemesis, non? Ouais, il était pas super loquace en tout cas. Allez, Mésis, du coup, voilà, qui est resté assez peu loquace sur ces sujets, mais voilà, il expliquait un petit peu sa situation. C'est vrai que ça doit être très surprenant de se dire que t'as Fnatic qui t'appelle pour se dire bon, faut que tu remplaces Caps, comment faire. Il y a une petite situation de pression, mais bon, finalement, ça a été une belle opportunité pour lui. Et avec cette relation qu'il a pu créer
avec Broxah, un très très bon duo mid-jungle qui s'est développé au fur et à mesure. Maintenant, il a l'air assez confiant quand même dans ses mates. Ouais, ouais, écoute, on va voir. Hein. En tout cas, c'est sûr qu'il commence à prendre de l'ampleur vraiment sous le tag Fnatic. Et bon, je sais pas si c'est cap, je pense pas non plus, mais en tout cas, il a l'air de bien s'intégrer dans le collectif. Donc, affaire à suivre. Et Fnatic, toujours invaincu pour l'instant dans ce LEC Summer 2019 à 3-0. Origène qui a 1-2 désormais, mais qui aura sans doute des matchs un peu plus faciles. La rencontre suivante, c'est Splice contre Schalke 04. On se retrouve dans quelques minutes sur Eurogaming. A tout de suite. C'est le début du Summer Split de LFL. C'est parti. L'équipe a pas bougé. Ils ont dû maturer un peu leur style. Je les attends toujours avec autant d'audace, autant d'agressivité. Les AA. Tour de Karim KT, est-ce qu'on peut avancer? On veut teamfight juste derrière. Karim KT qui a flash pour aller récupérer un premier kill. Mais pour l'instant, la lumière cosmique qui va être parfaite ici. On ne prend pas de dégâts sauf sur Tonnerre. Les donc AA. Tonnerre est la cible. Ça découpe ici. Les AA qui enchaînent. Au niveau du Spring Split, AA, on finit 6ème. Gamer Zone Gym, quant à eux, on finit 2ème pour le coup. Cette plaque à récupérer, foutre tour alimentée. Attention, sur Turfeg. Sur la mid lane, qui facile, Qatar qui devrait lui aussi tout, mais attention, Qatar, Il est beau, il est beau. Il est vivant, mais pas pour longtemps. Et bien, on se retourne dans la mid lane avec un double kill. De la part de Source, pour être la tête avec du mal, un triple kill. Les observateurs de la scène européenne sont assez unanimes pour dire qu'encore une fois, le niveau en LFL est très, très, très stacké.